Cat Gaming. Salut tout le monde et bienvenue sur Cat Gaming. Aujourd'hui j'ai sorti un vieux perso, il est niveau 87, je le up un petit peu. On va faire le palais Mugushan. Je vous garantis pas que je sois un PGM. Hein. Warrior, ça fait très longtemps que j'ai plus joué ça. Ouais, vraiment, je suis à chier, j'imagine. Enfin bref, c'est juste histoire de voir une autre instance une fois. Pas forcément du niveau HL, mais quand même une instance, voilà. Donc voilà, trash mob, trash mob. Oula, moyen bannissement. Banish. Ah là, je fais vraiment de la merde. Ce combat, j'aimais bien encore. Enfin, j'avais pas mal joué PvE à Mist of Pandaria. C'est une instance de Mist of Pandaria. Et j'avais bien aimé jouer en PvE. C'est assez fun. Après maintenant, je trouve c'est vraiment pas, c'est pas incroyable. Ça, je sais même pas ce que c'est. Piège tous les ennemis. C'est la vitesse, ok. Bon, c'est pas moi. Est-ce que ça peut être utile? Non. Cupi. Donc là, ce combat ici, on a aléatoirement un gars. Mais non. Voilà. Faut pas. Ah, ce qu'il a réussi à... Oh, il a réussi à passer à travers. Dingue. Ça sert à rien parce qu'on doit attendre que la porte s'ouvre là-bas derrière. Il me semble que ça sert vraiment à rien. On doit juste attendre, voilà. Qu'un gars, au hasard, il débarque. Voilà. Alors, je lance mes cooldowns. Je lance mes cooldowns. Et je suis à côté du boss, quoi. C'est GG. Voilà. Je sais pas ce que ça va. Pas trop à chier mon burst. Maintenant c'est toujours au hasard. Voilà, maintenant c'est celui-là qui est sorti. Là je me fais taper, non? Au niveau du temps, que ça se passe comment? C'est bon. Et il a repris. Voilà, faut tuer celui-là. Et encore après le troisième. Qu'on va voir ben, juste après, visiblement. Généralement c'est pas un problème parce que bon ils ont été nerf fois 1000. Nerf fois 1000 et puis généralement les gens qui jouent ils ont plein de stuff héritage et tout qui est quand même pas mal. Pas comme à l'époque. En mode héroïque. Alors bras. On attaque. Voilà, en gros, c'est les mogus qui se battent pour les faveurs du plus grand mogu, je sais pas quoi, censé être un tournoi, pas trop bien pigé. Et nous, on vient foutre la merde. Par contre, pourquoi est-ce qu'il me tape moi? Je suis pas en mode tank, qui c'est qui tank? Alors, le tank est complètement FK. Voilà. Alors lui il a voulu une partie du trésor, après il faut le suivre. Alors là, il y a que deux boss. Non, il me semble qu'on rentre là, après on ressort quand même, il y en a encore un autre après. Après voilà. Il n'y a que des orques qui sont dedans ou comment? Vous êtes des traîtres. Un échange bien préparé, mais nous ne nous laisserons pas berner. Voilà, j'ai le machin. Je vais pas crever entre temps moi, parce que c'est pas comme si on était tout seul. Enfin, on est quand même des PGM, on s'en fout, on continue. Donc voilà, c'est pas, je suis pas là avec des amis ou quoi, je suis avec des gens en mode aléatoire. Oula, l'embuscade. L'embuscade, ça fait pas du bien. Voilà. Après, n'hésitez pas, hein, si d'un coup vous avez envie, vous avez une idée de vidéo, un truc, ou vous voulez qu'on joue ensemble, n'hésitez pas. Je sais
peut-être à un moment donné mettre mon tag dans la description, quelque chose comme ça. Que vous puissiez m'inviter ou bien mettez votre gamer tag dans les commentaires et puis si votre gamer tag est pas insultant, non, je rigole. Voilà, je vous ajouterai, on pourra faire des trucs ensemble, ça va être marrant. En soit, ça, moi j'ai bien envie de le prendre. Vrac. Où vas-tu? Ok, il y en a encore de l'autre côté, il me semble. Je lag. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien à ramasser. Si. Je vais aller de l'autre côté maintenant. Parce qu'en soi, on peut sauter par-dessus la rambarde là et puis. Apparemment, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de ce truc. Non, il y a moi et Disgrecia. J'ai pas de clé mais. Pas sous les gus. Alors, ils sont là. Bah, allez-y, moi je saute en bas. Bon, ils ont envie que je les rejoigne de l'autre côté. On va faire ça comme ça, ma foi. Ah, ici, il y en a encore un. Ta-ta-ta-da. Puis le dernier, il est là-bas dans le mur, normalement. Je crois, si mes souvenirs sont bons. Mes souvenirs sont pas bons. Si? Ok. Alors. Alors ils sont encore là, on va en profiter pour ramasser ça. Alors moi ce que je veux faire, ça c'était mon tout premier perso, Cobra Killer. Oh putain, je me suis fait voler la vedette. Hein. J'arrive pas à ramasser des trucs quoi. C'est de l'arnaque. Hein? Ok, bref. La belle arnaque. Bref. Et ici ce boss. J'ai plus grande mémoire. Enfin, très grand souvenir de ce qu'il fallait faire ici. Moi, il me semble qu'il y avait ces types là et qu'on pouvait. À l'époque, moi, je jouais tank aussi avec mon paladin. Et avec mon paladin, j'étais vraiment balèze au niveau du tanking parce que je faisais du tanking actif. Ce que j'appelle du tanking actif, c'est-à-dire que j'étais pas juste là, ouais, voilà, je chope l'aggro partout et j'attends qu'il le tue. Non, non, j'essayais de bien placer les mobs. J'arrivais donc à silence un de ces. Ben, il a pas fait long, mais. J'arrive à silence un des deux mobs à distance. Je peux utiliser ça, les armes de PGR, moi? Ok, autant pour moi. Alors ouais, 450, c'est pas mal mieux que ce que j'ai. Je peux utiliser des armes de pugilat. Tu te fiches de moi? Ben, si je peux faire un nid, bon, ben, j'ai repas ici. Bref, j'arrive à silence un des types. Chargé sur l'autre et puis tous les mobs venaient en un tas et puis on les bourrinait. C'était efficace à l'époque. Ici il y a un ascenseur au fond. Voilà, comme je disais, on va ailleurs. Oh. Alors moi j'aime bien son skin là. Sais pas trop ce que c'est comme skin, mais pas mal. Pas mal, pas mal. Alors on a oublié un type, on n'a pas le chaman et on n'a pas le décor. Ah si, on a le chaman. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Bref,
Voilà. Sauf qu'on a que besoin d'en tuer un. Obligé de tuer celui-là, mais franchement, on est là pour XP. Je peux pas silence avec ça, moi. Sinon, c'est pratique, quoi, histoire d'avoir tous les mobs en un morceau. Wow. Voilà. Lui, au moins, checker qu'on pouvait silence quelqu'un. C'est pas mal. Ah, alors j'ai up niveau 88, voilà, siège du temple de Ninja. Par contre, il va où le moine là? Ah oui, non, il a raison, et on a tort. J'ai tort. Je le reconnais, ah, en plus j'ai encore du loot. Oh, heureusement que je suis venu looter ça. Sinon, ça aurait... J'aurais pas eu 12 PA. Ça aurait été de la folie. Bra, bra, bra. Plus. Enfin voilà, on continue, allez, on essaie de pas trop perdre de temps. Je me demande combien de temps on est. Je ne sais pas. Après voilà, je sais vraiment pas bien jouer ma classe juste pour faire une vidéo sur chaque instance. Je me dis autant sortir les vieux persos. Et j'ai pas mal de temps. Autant y aller à fond. Alors, ta 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 ta. Alors une hache 390, pas besoin. Là, on y go. Vous n'êtes pas Écoutez-moi, vous voyez à vos équipes, Très rare, bon. On va d'abord faire le boss. Alors, il y avait une technique sur ce boss. Vu qu'il fait apparaître ben voilà, ces espèces de haches dégueulasses, puis 3 millions d'espèces de pièges par terre. Et une technique, c'était de le pull jusqu'à la porte là-bas au fond. Et du coup tous ces machins ils popaient ici environ, là on est plein dedans en fait, et il y avait quasi rien vers la porte, du coup on pouvait tranquillement le péter vers la porte sans qu'on se fasse emmerder, alors que là genre limite je vais mourir si je meurs. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? Du tissu, non merci. Du cuir, non merci non plus. Ici on a Alors voilà, c'était le palais Mogushan en mode normal. J'espère que ça vous a plu. Je dois ressortir mon vieux personnage Korra Killer pour quelques vidéos. Sinon j'ai aussi un Hunt, un Mage, puis un Paladin. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, à la prochaine fois, ciao!